et bientôt le départ. C'est parti pour cette première course, 990 mètres à parcourir. Alors, Shield of Thunder, avec également In the Trenches, Emerald Victory, The Border War, bien sorti des boîtes, Dicky Bird pour l'instant en épaisseur, AP Strike, Jet Path, Patrol Mission. En dehors, il y a Polar Rock et on ferme la marge avec Ride to Tango à la rue du gouvernement. Environ 500 mètres à parcourir. Shield of Thunder qui dirige les opérations. Et puis Strike qui est en deuxième position avec Emerald Victory. The Border Walk est une course difficile. In the Trenches est bien placé. Patrol Mission, Jet Path va essayer de se rapprocher avec Dicky Bud également. Les chevaux entrent maintenant dans la ligne droite finale avec AP Strike qui part sous la montre de Nichelle Tiha. AP Strike, les autres vont devoir cravacher dur à l'arrière. AP Strike qui prend ses distances et va se détacher pour s'imposer facilement. AP Strike, vainqueur de cette première course tranquillement pour la deuxième place In the Trenches. Ensuite, entre Shield of Thunder et Ride to Tango pour la troisième place dans cette première course. AP Strike qui se détache, monté par Nichelle Tiha, qui remporte la première course comme c'était le cas la semaine dernière. Et la semaine d'avant également, Nichelle Tiha aime bien les épreuves d'ouverture. AP Strike, jamais mis en doute. En tout cas, ce cheval a déjà couru à un échelon supérieur et s'était bien défendu. Et là, dans cette fourchette, dans ce lot, il était donc vraiment bien placé. Il n'a fait que surclasser l'opposition. AP Strike, en pleine ligne droite, se détache pour aller s'imposer tranquillement devant In the Trenches, qui sera le premier débattu. AP Strike, vainqueur facile pour ouvrir.